encore des autres sur les terrains. Donc c'est un long, long, long cortège, avec la nomination, il y a du monde, et la voiture évidemment, et des montagnes. Donc on s'arrête un peu pour que tout le monde puisse resserrer vers l'avant. On est là pour se battre pour les droits de tous, de tous les usagers de la route. Nous avons affaire à une gestion de sécurité routière dramatique. Nous n'arrivons pas à descendre en dessous des 3500 morts. Pourquoi? Ça fait des années. Là, tout simplement parce que notre cher gouvernement, les autres, celui-là, ceux qui viendront, eh bien, ils considèrent que la sécurité routière doit se gérer que par de la répression. Or, nous, les motards, nous estimons que la sécurité routière, ça doit être une affaire de changement de comportement. Et pas forcément de baisse de vitesse à 10 km/h. 2 km/h. La sécurité routière, elle doit s'aborder dans les écoles. Elle doit être enseignée dans les écoles. Et nous, on doit être tout le continuum éducatif. Tous nos enfants sont les plus tard. Ne doit pas se demander dans quelle embuscade il va tomber. On n'est pas dans un état de guerre quand on est sur la route, on est des usagers comme les autres. Et preuve en est, c'est que la sécurité routière, depuis de nombreuses années, n'est plus gérée par le ministère des Transports, mais elle est gérée par le ministère de l'Intérieur. Ça veut dire que le gouvernement considère que tous les automobilistes et tous les usagers de la route sont des voyous. Vous n'êtes pas des délinquants. Vous êtes des citoyens à part entière comme les autres. Donc vous avez le droit de rouler avec vos véhicules en toute sécurité et de ne pas mourir sur la route. Tant qu'ils ne changeront pas leur politique de sécurité routière, nous aurons toujours autant de morts sur la route. Pourquoi dans les pays voisins en Europe, à même population, pourquoi ils ont moins de morts que chez nous? C'est parce que c'est un comportement différent. Et c'est parce que c'est la sécurité routière dans d'autres pays est abordée de façon différente. Elle n'est pas abordée sous le thème de la punition. Elle n'est pas abordée sous le thème de la répression. Elle est abordée, bien sûr qu'il faut un peu de répression à un moment donné, puisqu'il faut faire respecter les choses. Mais ce n'est pas la principale des mesures à mettre en place. La principale des mesures à mettre en place, c'est de l'éducation. Et l'éducation, elle doit commencer tout jeune. Et si on veut arrêter d'avoir des morts sur la route en France, il faut que cette éducation, donc c'est la sécurité routière, pardon, passe par cette éducation dans les écoles. C'est comme ça qu'on changera les comportements. C'est pas un grand coup de radar. Voilà pourquoi dans la rue aujourd'hui, c'est pas pour vous ennuyer, c'est pas pour faire une démonstration de force, c'est pas pour vis-à-vis de vous. Mais oui, on va la faire vis-à-vis du gouvernement. Vous savez, il y a quelques mois, au mois de mai, on a eu un nouveau gouvernement avec un président jeune, un premier ministre boxeur, jeune et dynamique, avec des élus issus de la société civile, mais pas de la politique. On s'est dit, il y a peut-être quelque chose qui va changer là. Est-ce qu'il y a une nouvelle donne pour la France, on va démarrer à nouveau. Alors ils se sont emparés de certains dossiers, bien, mal, chacun jugera en fonction de ses idéologies. Mais il y a un dossier qui reste toujours le même, qui reste géré par des poussiéreux crânes d'œufs, technocrates. C'est celui de la sécurité routière. On a même laissé en place, d'habitude quand un gouvernement change, on change, les gens qui sont à la sécurité routière. Et bien là, ce gouvernement, il a laissé en place ce qui était avant. D'habitude, on les change. Et bien là, il faut les changer parce que ces gens-là sont à bout de souffle. Ils n'ont plus rien à faire dans la sécurité routière si on veut gagner des vies. Et donc, on se dit que ça va changer avec ces gens-là. Et bien non, ça ne change pas.
on laisse ça comme ça. Pourquoi? Tout simplement, bah, on souvent encore mis un arsenal répressif encore plus fort, parce que la sécurité routière, elle sert tout simplement à générer des fonds. La sécurité routière est un percepteur d'impôts.